Ouais. Turquoise. El Diego à l'instru. Les pieds sur terre avec mon génie, j'avais la tête dans les étoiles, des billets verts dans les poches et le sang rouge sur mes mains était légal. Aucun scrupule à torpiller des hommes et piller pour l'oncle Sam, tant que la thune défile, peu m'importe si le monde s'enflamme. Dans la famille, on a toujours été doué pour faire la guerre, suffit que je repense à mon père. Dans le domaine du nucléaire, être visionnaire, c'était la clé du succès. Et comme il disait, faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Sûr de moi, j'aurais jamais cru perdre la face. Dans le luxe, tu te sens protégé, tout et toutes s'effacent. Mais dans ce désert afghan, ma vie a pris un nouveau virage quand j'ai vu marquer Stark sur la bombe qui m'explosa au visage. Les armes ouvrent le bal et les balles s'emballent pour tout pif. Dans la bataille, les mis finissent face au pire tombale pour 100 balles. Je veux pas être ce mâle qui vise, qui tire et qui touche la cible. Pensif, je quitte la voie royale pour créer mon idéal. Je quitte la voie royale pour créer mon idéal. Et de mon esprit, je vous sors un arsenal de pêche. Et moi, pas de modestie, mais je sais que je suis pas parfait. Mais à la protection de la terre, je veux être loyal. À présent, je suis un homme de métal. Maintenant, je suis protégé du monde par cet exosquelette fatal. Quand je les vois qui détalent, je limite mes attaques létales. La faucheuse m'appelle et voudrait que je la régale. Mais mon arsenal est réservé aux menaces peu banales. Dans ce justicier d'acier, je cherche une rédemption. Pouvoir racheter mes méfaits par ces nouvelles créations. Ces armures, les gens y voient des robots et moi des prophètes, prêts à s'élever et se sacrifier pour sauver la planète. Depuis que j'ai rejoint les Avengers, je ressens le besoin d'être meilleur, l'angoisse de ne pas être à la hauteur pour pouvoir protéger Pepper. Alors chaque jour, je m'enferme dans l'atelier pendant des heures, je me plonge dans la mécanique pour me retrouver seul avec mes peurs. Dans le sous-sol, sous ma voiture, j'aligne les billets comme les armures, armé de nouveaux lasers pour prévenir notre monde de ces créatures. Je jette des regards sur cette lumière au centre de ma poitrine, je fais plus trop la différence entre l'humain et la machine. Grand penseur, milliardaire excentrique, on m'a donné bien des noms. En société, j'aime faire le malin pour avoir l'attention. À libérer la pression, j'y gagne, car c'est le rôle de sauveur que j'incarne. Et jusqu'au bout, je continuerai à être Iron Man.